Eh bien, salut tout le monde, c'est Liner, et aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 11 de Zelda Wind Waker HD. On se retrouve exactement là où on s'était laissé, parce que une fois de plus, je tourne à la suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, la forme, je suis au top les amis, au top, puisqu'aujourd'hui, je suis très impatient d'aller découvrir cette nouvelle petite île. Donc dans le précédent épisode, on avait libéré... entre guillemets, la queue de Valou, voilà, on avait pu le sauver tout simplement, on avait sauvé tout le peuple Piaf, ils ont une reconnaissance envers nous, voilà, nous sommes considérés comme un héros auprès d'eux, donc c'est plutôt sympathique. On avait aussi croisé un drôle de poisson, qui nous avait donné des indications sur les cartes et tout, enfin bref, voilà. Et du coup, voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on avait fait, on avait fait le boss aussi, on avait failli une fois, bon voilà, je m'en vais toujours, c'est pas grave, ça arrive. Et puis du coup, c'est parti, on est reparti. On va pas aller à Lille. En fait, non, si j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller à la fois. Parce qu'en fait, ça m'a intrigué le truc de... Je suis sûr qu'il faut aller le voir le mec de l'île de l'Aurore. Mais l'île de l'Aurore, c'est loin, vous me direz. Ah, c'est vrai, c'est loin. C'est très loin. Écoutez. Bon. Oula, qu'est-ce que c'est? Oh, un petit rubis. On récupère. Tac, tac. Un autre. Il y a une île de lave. Une toute petite île de lave. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dessus? Non, je crois pas que pour l'instant on ait possibilité d'interagir avec cette île. Je sais même pas si c'est juste pour décorer en fait. Très bien, bon. C'est parti. Il n'y a pas possibilité d'aller un peu plus vite. Sauter, on peut sauter avec ZR, ok. Très bien. Bon bah voilà, du coup on est reparti, hein. Vous connaissez de toute façon les longs trajets comme ça. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé aussi. Donc, oh, je crois qu'il commence à faire nuit. Il va commencer à faire nuit dans pas longtemps. Peut-être, à moins que ce soit la zone dans laquelle on s'approche qui soit comme ça. Possible aussi. Enfin, regardez cette île quoi, elle est super imposante, on la voit encore au loin quoi. Par contre on voit pas le dragon en haut, c'est dommage. C'est dommage. Hop, les un petit truc à droite aussi. De quoi ça s'appelle l'île de Tingle? Non, je n'ai pas l'impression. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on va devoir faire. Oula, par contre. Ah non, il y a une tempête. Attendez, du coup, on peut peut-être croiser le frère du mec qui a le embrouillé. Le frère de la grenouille là qu'on avait croisé. Il nous a dit si tu croises mon frère, si tu croises une tornade en mer, mets une raclée à mon frère. Vous voyez de quelle grenouille je parle, c'est ce qui nous a appris le chant du temps là. Pas le chant du temps, je dis des conneries. Le vent, je me suis trompé de jeu. Désolé. Oh, par contre, il y a quelque chose ici. Parce que j'ai entendu une musique qui s'est lancée. Par contre, attendez, il y a quelque chose ici. Alors, ça va peut-être être notre occasion d'utiliser le grappin. Allez. Ah, on a quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? Premier trésor. D'accord. Un rubis violet vaut 50 rubis verts. C'est fantastique, mais oui, c'est fantastique. C'est super. Allez, bon, on est reparti, nous, du coup. Ah, mais ça, c'est vraiment trop cool. Oh là là, et la nuit qui commence à tomber. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Ma chérie, c'est magnifique. Ah là 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 là. Ah là là là, je suis en kiff ultime. Regardez-moi ça, c'est la première fois là pour le coup que je revois la nuit dans Wind Waker. Et moi pour le coup, ça fait super plaisir. Ah, et je crois, c'est peut-être notre île là-bas. C'est peut-être notre île. Puisque je sens qu'on commence à y approcher là, en regardant sur la carte. Regardez, voilà, on est juste là, ouais. Ah, c'est sûrement notre île alors. C'est sûrement notre île. Ah, attendez, me dites pas que c'est toujours l'île d'où on vient là. Non, parce que là, c'est quand même. C'est super grande. Oh la vache, on la voit à 10 km. Regardez-moi cette étendue d'eau quoi. Oh la vache, j'adore ce jeu. Oh, hein, regardez, encore un petit. Oh, il y a des trucs. Alors, hop, non. Non. Il y avait quelque chose. Que dalle. C'était un peu plus par là. Non. Stop.
Hop, s'arrêter. Non, recule. Faites ici. Non, bah où est-ce que c'était? Attends, on va se reculer un peu pour attendre que le point réapparaisse. Ok, c'était là. C'était juste ici. Stop, s'arrêter. Un petit peu devant. Bon, ça devrait le faire, peut-être ici. Ah, on a quelque chose. Encore un petit coffre, mais c'est sympa. C'est super sympa, on trouve des trucs. Allez, un rubis violet encore, on serait super. Oh là là, un rubis violet, c'est trop. On a plus de place. Oh, je suis dégoûté. Aïe, ça picote, un rubis violet qui passe dans le... qui nous passe sous les mains. Il nous glisse entre les doigts. Ah, par contre, là... Oh, on peut sauter. Oh, je savais pas, tiens. Par contre, là, il y a un peu... Alors, il va descendre, voilà, on va aller exploser ce mec. Juste avant d'aller à l'île, vous avez vu, je fais traîner. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as rien vu, non? Bim. Ah, oh, mince, je suis tombé. Je suis tombé dans l'eau. Bim. Non, reviens. Tac. Voilà, on s'en débarrasse. Parfait. Et qu'est-ce que c'est que ça, par contre? Salut. Voyons voir. Ah oui, ouais, il est plus grand qu'on le voit à l'extérieur, hein, quand même. Mais même... C'est une taverne de monstres. Attendez, il me fait les poches. C'est une blague. Il m'a fait les poches, le chien. Mince. C'est une taverne de monstres. Mais arrête. Mais non. Ok. D'accord, donc en fait c'est, ouais, c'est le repère des monstres. Très bien. Par contre il va revenir là, genre là tout de suite. Revenez là, bande de rats. Je vous vois là. Et toi tu vas mourir aussi. Hop. Des mecs comme toi, j'en mange tous les jours au petit déj. Il va me faire les poches. J'aime pas ces rats, ils me stressent grave. Oh, ah tiens. On a bien fait de venir, hein. Redonnez-moi ma thune. Redonnez-moi mon pognon. On s'est fait plumer. Littéralement. Oh. Ah mince, on n'a pas eu le temps. Alors j'espère quelque chose de bien là-dedans. Hein. Un flacon, ok. Oh ouais. D'accord, bah un second flacon. Ok, bah ouais, bah je dis pas non. Pourquoi pas, j'ai envie de dire les amis, pourquoi pas. Très bien. Vous savez, cette salle, elle me fait un peu penser à la salle où on nous a passé notre entraînement, là, avec... dans le bateau de Tetra. On dirait grave cette salle, en plus. Ça sent la récup de salle, hein, Nintendo. Ça sent la récup de salle. Non, je plaisante. J'admire, moi, ce jeu. Je ne peux pas parler comme ça. Très bien. Alors, ah, ouais. Effectivement. Ah, par contre, c'est l'île de droite ou l'île de gauche? Je ne sais pas. Écoutez, on va voir. Oh, peut-être que c'est les deux. Elles ont dû se ressembler, ça. Ok. Bon, bah, on y arrive tranquillement. Tranquillement, on profite du paysage. C'est beau, ça fait plaisir, regardez-moi ça. C'est beau. Je sais que je complimente souvent le jeu. Je complimente souvent tous les jeux que je fais en let's play parce que c'est des jeux que j'adore. Ah, bah tiens, oulala. Oula, à droite, ça a pas l'air d'être la joie. Hein. Ok, bon, on arrive sur notre prochaine île, du coup. Terre en vue. Voici l'endroit où tu te dois te rendre, l'île aux forêts. Ah. Oh, la musique. Oh là 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 là. Écoutez-moi ça. Cette île ressemble à un grand arbre qui s'élèverait au milieu de la mer. Mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre Mojo, l'esprit de la terre. Quoi? L'arbre Mojo de... Va trouver l'arbre Mojo et demande-lui de te remettre un joyau, la perle de Pharos. Ganon risque d'avoir mis son emprise sur cette île également. Bien attention. Ouais, effectivement, ouais, est-ce que là, ça a pas l'air très... L'arbre Mojo, mais on connaît l'arbre Mojo. Oh bah tiens, attends, on va le faire un tour par là. On connaît très bien l'arbre Mojo même. L'arbre Mojo d'Ocarina of Time. Malheureusement, celui-ci est mort. Donc c'est sûrement ça... Ça, il est repoussé. Voilà, tout simplement, c'est un arbre. Hein. Oh, c'est vous. Oh, c'est vous. J'arrive pas à lui faire une main. Oh, c'est vous, j'ai envie de passer. Si vous avez quelque chose à vendre, n'hésitez pas à acheter. Alors, on va prendre un...
Ah, pas universel. Ah bah oui, du coup, ça pourrait nous servir si jamais on croise des poissons. Hop, on dépense un petit peu d'argent. On en a, là, on en a. Pour le coup, on en a même beaucoup. Thank you. J'adore. J'adore. Fruit miam miam, un fruit. Fruit miam, un fruit. Bon, bah, on va lui prendre des fruits miam miam, hein. Oui. Thank you. Cela vous fait 4 points, hein, avec 30 points. On essaiera de se faire ce défi de 30 points pour voir ce que ça fait. Même si c'est un truc tout pourri, au moins on l'aura fait, vous voyez, c'est satisfaction personnelle. Très bien, oh. Oh, regardez. Attendez. Il faut que j'équipe un objet. On va équiper la truc d'Ariel. Hop. Regardez ce que je vois là-bas. Un petit coffre. On ira se le prendre. Oula, il se barre. Ok, bon. On est pas mal. On n'ira pas tout explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on va explorer juste l'extérieur. Parce qu'en fait, je compte juste avant. Oh la vache, c'est sorti d'où ça? Laisse-moi. Ok, le bouclier part. Ah, faut lui couper la racine. Oh, il donne des bâtons comme ça. Hop là, voilà. Pour l'instant, ça va. Pas très accueillante, hein, l'île, hein, si vous voulez mon avis. Oh, il a donné quoi? On va le savoir tout de suite. Elle en donne un autre là-bas. Vous obtenez une graine de Bokobaba. D'accord, Bokobaba. Elle sera rangée dans votre sac à bulletin. Un élixir préparé avec ces graines de plantes carnivores peut sans doute servir. Mais oui, parce qu'il faudra qu'on repasse bientôt à Mercantile. Pour ça aussi, parce qu'on a plein de trucs qui permettent à faire des potions maintenant. Mais oui. Allez, on détruit un petit peu l'herbe. Hein. Link est jardinier dans une vie antérieure. Il l'a été. Je ne le savais pas, mais il l'a été. Il est pas très fier, hein. C'est pour ça qu'il n'en parle pas, mais... Croyez-moi, il l'a été. Moi, je connais un petit peu sa vie. Je dis des conneries. Allez, ah non, mince. Jeté. Salut. Pourquoi les plus le bâton s'envole vers d'autres cieux? Cieux. Bon, vas-y, j'arrête. Cieux. Oh merde, c'était... C'était foireux. Cieux. Voilà, bon, c'est l'épisode du What the Fuck aujourd'hui. C'est l'épisode du What the Fuck. Alors... Bon là j'ai fait un petit peu toutes sortes d'herbes. Ah alors là par contre ça sent le... Ok. J'aurais dû y penser aussi. Ah mince, j'ai trop voulu lui foncer dessus vite. Voilà. En fait une petite tornade et c'est fini quoi. Hop, on en a une de plus. Super, on va pouvoir commencer à se faire des potions du coup en retournant voir le monsieur à Mercantile là. D'ici il y a des potions. En plus on a des flacons. On a des flacons maintenant. Donc voilà l'intérêt en fait d'avoir obtenu le flacon. Par contre, est-ce qu'on peut grappin? Voilà, grappiner quelque part. Grappiner, je ne sais pas si ça existe. On va appeler ça comme ça. Voilà, j'invente un verbe si jamais ça n'existe pas. Grappiner, partie de langue linérienne. À partir de maintenant, voilà. Oula, par contre lui. Ok. Eh, c'est quoi cette île trop sauvage? Voilà, ok. Ces petites plantes, elles sont vraiment pas très... Ah mince! Ah, je pensais que c'était une plateforme. C'est pas grave, on y retourne, écoutez. Ça fait partie du métier. Bon, on est combien de temps? On est à 13 minutes. Bon, j'ai fait des épisodes plutôt longs ces derniers temps. Mais tiens, regardez, une autre partie de l'île là-bas. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Pourquoi? Qui c'est ce mec? Bon, on aura peut-être sûrement l'occasion de le découvrir. Ok, donc là, on arrive à l'île Mojo, hein, du coup. Île plutôt sympa, d'ailleurs, à première vue. Même si elle est pas très très accueillante, t'as du monstre, hein. Y a du monstre. Ah là, ça déconne pas. Y a du monstre, c'est sûr. Alors, on va remettre un coup de rapin. C'est trop bête. Je me suis avoir comme un bleu. Non, ah, je suis trop loin. Voilà. Parfait. Et hop là. Ah, le grappin, c'est cool quand même. Hein. Non. Mais jamais on va réussir à passer cette zone, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, en ce moment, c'est beaucoup de fail, hein. je sais pas. Je veux aller trop vite. Voilà. Toi, du coup. Ok, c'était évident. Il t'en faut combien des comme ça pour mourir? Il m'en faut un, donc c'est bon. T'as looté quelque chose? Que dalle. Tu ne m'intéresses donc pas. Des petits rubis. Très bien. Ça, c'est une plateforme, je peux aller dessus. Ouais, il y a quelque chose. Je ne sais pas. Un rubis bleu. Ok, on prend. On prend, c'est donné de toute manière. Hein.
Alors. Alors, faut éviter d'aller dans le courant, sinon on est propulsé vers ses chutes là. Vers ses chutes. Vers ses chutes. Voilà. Ah mais du coup là je passe comment? Comment je passe? Y a pas un truc où je peux m'agripper? Ah bah si, bien évidemment. Bien évidemment. Et hop, ici y a plus de courant du coup. Non, y a plus de courant ici. Et bah on rentre du coup voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cet arbre géant. Oh, c'est sympa. Regardez cet effet de particules qui volent là dans les airs, c'est super sympa. Oh, l'ambiance. L'ambiance de cette zone. Ok. Ok, bah pourquoi pas, on va voir un petit peu ce qu'il y a du coup. Visiblement, il y a un arbre mojo ici. Ah bah, ça doit être lui. Peut-être. On nous a dit qu'il y avait un grand arbre qui vivait dedans. Oh mince, les pirouilles. Ouais, je connais que un, mince, dommage. C'est pas grave. Alors, hop. Ah non, ça passe pas ici. Comment est-ce que je vais faire pour passer à... sur cette plateforme là? Ah bah ici, tout simplement. Voilà, fallait pas réfléchir à midi à 14h. Là, ça... Oh là là là, ça sent. Ça sent le trésor. Ça pue. Non non, attendez, non, pas le trésor. Ça sent le rubis. Ça sent la richesse. Oh là là, ça sent la richesse. Moi je pète souvent les herbes, comme ça c'est un réflexe en fait. Réflexe de... Regardez, regardez tous les rubis qu'on récupère. C'est pas mal pour l'aventure, ça aide, hein. Ça aide beaucoup. Croyez-moi, ça aide. Regardez, regardez-moi toutes ces herbes. Oh là là. Hop. Hop, alors, bon, on fait ça vite fait parce que ça commence à être chiant, il y en a beaucoup. Il y en a un peu beaucoup. Ah bah oui, ah oui, c'est carrément un visage. Hein. Et c'est un sacré arbre. Hein. Mais... Il y a des... What? Mais... Ils ont des têtes. Attendez, 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 est-ce que je peux monter quelque part? Il y a des blobs là, des gelées chuchus. Comment je peux faire pour vous aider? J'aurais un état. Est-ce que je peux les amener à moi? Bah non. Cet arbre mojo est sublime. Parce qu'il a une vraie tête et tout. Attends, on va lire ça. Il y a un petit panneau. Chez Dicopsis, pharmacie de la forêt. Bah oui, il faut aller à la pharmacie, il y a des boutons partout. Et où est-ce que je suis encore tombé? Où est-ce que je suis encore tombé? Il veut pas monter. Où est-ce que je suis tombé? What the fuck? Putain. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est plus possible. Par contre, là, ça m'embête pour cet arbre mojo. Ce qui est. Ah bah, attendez, ils sont partis. Ça va? Bah, ils sont partis là, ces trucs. Fallait juste aller dans une autre zone. Ah bah, non, non, ils sont là, oui, ils sont toujours revenus. On se tape juste la cinématique. Ah mais j'ai rien qui me permet de... J'ai que dalle qui me permet de faire ça. Attends, on peut s'agripper quelque part. On peut s'agripper là-bas. Non, j'ai détruit le panneau. Est-ce que ça peut être détruit? Ça peut être coupé ou pas? Non, ça ne peut pas être coupé. Ah. Qu'est-ce qu'elle a la pierre à nous dire? Que fais-tu, Link? Fais vite tomber de l'arbre mojo les monstres qui s'accrochent à lui. Tu vas pouvoir faire quelque chose. Ah, faut les faire tomber. Bah oui, moi je voulais les détruire, mais en fait on n'est pas forcément obligé de les... Alors est-ce que peut-être en lui roulant dessus, vous pensez que ça peut marcher? Regardez. Ça a marché, parfait. Ça a marché, ça a marché. Maintenant c'est l'heure pour vous de mourir. Mais vraiment, fallait pas attaquer mon gars sûr. L'arbre mojo. Oula, 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 par contre là il y en a beaucoup. Oula, c'est la fête des gelées. C'est la fête des gelées. Aïe aïe aïe.
C'est la fête de la gelée. Bon, j'ai pas envie de les perdre. Donc on va aller. Mais elles vont toutes disparaître. Les gelées. Là. J'ai pas compris. Nanana. Moi mais je l'ai. Excuse-moi, ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler de notre chère langue. Je suis l'arbre Mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce que le lion rouge est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi? Oui, c'est moi. Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Bien entendu. Depuis peu, des monstres apparaissent aux alentours de la forêt. Je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple Korugu, enfant de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune garçon n'est pas votre ennemi, vous pouvez vous montrer. Oh, c'est eux les... C'est eux les nouveaux coquilles. Oh, c'est joli. C'est trop beau. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Link? Bien, Link. Voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Les Korogu avaient autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve trop mignons. Tous plus mignons, pardon, les uns que les autres. Je me disais aussi trop mignons, c'est un peu... c'est un peu bizarre. Je m'apprêtais à prendre part avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la paire dont tu as besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite, ou il se passera des choses terribles. Alors, commençons. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? C'est horrible, vénérable Arbre Mojo. Du Moria, il... Oula. Que se passe-t-il, la boula? Du Moria et toi êtes toujours en retard. Non, pas cette fois-ci, vénérable Arbre Mojo. Du Moria est tombé dans les bois défendus. Ah? Quoi? Comment? Dans les bois défendus? Je lui avais dit de se méfier, mais Du Moria n'a pas écouté. Il a survolé les bois défendus en disant qu'il prenait un raccourci. C'est bien lui. Link, tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux. Ils sont habités par des monstres. Du Moria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider. Je t'en prie, veux-tu bien partir à la rescousse de Du Moria? Mais vénérable Arbre Mojo, cet étranger ne peut pas voler. Tu as raison. On ne peut pas accéder à ces bois par la mer, c'est vrai. J'oubliais. Link, je pense que tu es plus lourd qu'un Korugu, mais nous allons quand même essayer. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler. Ok. Petite feuille. Mais, désolé Link, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller le chercher cette feuille. Ah ben, il est un petit peu moins sérieux qu'avant, l'arbre Mojo. Limite, il fait des blagues. Alors du coup, par contre, comment je peux m'y prendre? Ça risque de lui faire mal à coup de rapin, non? J'ai pas d'idée, là. On va récupérer cette petite feuille avant de terminer l'épisode. Ça, c'est une peur à faire. Je tente le grimpin partout, moi. Je tente. Ouais, par contre... Comment je peux monter sur toi, vénérable arbre Mojo? Donc à la repousse, ça se passe bien. Il a bien repoussé. Dis-moi tout. D'habitude, nous parcourons les îles d'Andissu pour replanter des forêts. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour la cérémonie que nous organisons une fois par an. Mais avec Du Moria, ami de l'épée, je t'en prie. Ami à l'épée, pardon. Je t'en prie, va porter secours à Du Moria. Bon. Comment est-ce que je peux monter, par contre? Je coince un petit peu, là. Je coince beaucoup en ce moment. Il y a sûrement moyen de foutre le grappin quelque part. Qu'est-ce que c'est? Un truc qui brille là-dedans. Les têtes. Reviens! Ah, mais c'est que dalle en fait, c'est une lumière. C'est juste une particule. L'inor s'embrouille avec une particule. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Attendez, parlez. Ah, non, il nous fait monter. Bon, bah écoutez, on récupère ça. Je voulais m'arrêter là, moi, et reprendre dans le prochain épisode. Comme ça, j'aurais pu réfléchir un petit peu, mais bon. Il te faut de l'énergie magique. Tu peux en obtenir en coupant de l'herbe, en brisant des vases ou en tuant des monstres. Si tu as de l'énergie magique, tu pourras utiliser cette feuille pour voler en haut de la forêt des bois défendus. Fais voir, maintenant je peux te grappiner. J'ai envie de le grappiner. Notre énergie magique donc. Il faut de l'énergie magique.
Où est-ce qu'on en obtient? Où est-ce qu'on en obtient? On nous a dit là-dedans, ça c'est méchant. C'est surtout très mort. Oh là! What? Oh, j'ai compris quelque chose! Vous croyez qu'on peut... Ah mince, non. Vous croyez qu'on peut enchaîner comme ça les fleurs et tout, on monte? Ah ouais, ça aurait été trop cool. Ça aurait été carrément trop cool. Ah par contre, est-ce que tu peux me faire monter plus haut? Un petit peu? Non, un minimum? Les gros, te montrant comment voler, je t'en mets. Oui, j'imagine bien, mais... T'es mignon, mais... Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode 11 de Zelda Wind Waker HD vous aura plu. Il est un petit peu plus court. Ah non, quoique, non, même pas. Il est pas plus court, bon, bah tant pis. Voilà. Bon, j'espère qu'il vous aura plu. On grimpera sur la tête de l'arbre Mojo dans le prochain épisode, promis. Et puis d'ici là, portez-vous bien, puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. Bye tout le monde!